Eh bien, salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les gars. Aujourd'hui, on va parler de quoi, les gars? On va parler des postérités, palmarès, dépendant de comment vous voulez les appeler. Le dernier en date que j'ai eu, c'est le 21, donc ça remonte à il y a presque une semaine. Au moment où d'ailleurs je vous avais fait la vidéo concernant les postérités. Alors, certaines étaient buggées, vous-même vous me dites que certaines sont buggées. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment débugger certaines postérités en une seule game, dans le sens où, par exemple, celle des 77 sauts avec le requin qui est buggée, celle par exemple du lance-grenade répulsive est buggée, et je peux valider ces deux quêtes, par exemple, ces deux palmarès, en une seule game, et je vais vous montrer comment. Donc, je vous retrouve en game, je vais vous expliquer tout ça. C'est parti. Petit but, les gars, de cette manœuvre pour faire les deux défis, les deux palmarès en un seul match, c'est de trouver d'abord, les gars, une canne à pêche. Déjà, parce qu'il va vous falloir, du coup, choper votre requin, d'accord? Ensuite, il faudra rider derrière votre requin, chose qui est normale. Suite à cela, les gars, il va falloir trouver un vortex. C'est pour ça que je me suis dirigé vers ici. Pourquoi? Puisque, bizarrement, lorsque vous prenez un requin sur un vortex, je ne sais pas pourquoi, c'est glitché ou c'est un bug de la part d'Epic Games, eh bien, ça déverrouille la postérité, justement, du lance-grenade répulsif. Alors, je ne sais pas exactement à quoi c'est dû, quel est le bug et pour quelle raison ça fait ça. Mais en tout cas, une chose je suis sûr, c'est que j'ai vu plusieurs gens sur Internet en parler, valider justement ce défi. De la façon que je suis en train de vous le dire. Alors, du coup, il va falloir chercher une canne à pêche. Ensuite, ici, il y a des vortex, un peu hors zone, donc c'est ce que je cherche un peu. Donc, ce qui va se passer, les gars, c'est que je vais essayer d'aller chercher une canne à pêche et je vous retrouve après. Donc, on a une canne à pêche. On a aussi également un requin qui est juste ici, donc on va le choper avant qu'il le chope. Chose qui est bizarre. Allez, mon petit requin, tiens. Prends la petite canne à pêche, mon petit requin, s'il te plaît. Hop, du coup, il est censé l'attraper. Voilà, à partir de là, les gars, on va se diriger vers le vortex en question, je vous parle. Parce que la postérité en question, c'est de sauter 77 fois avec le requin. Sauf que j'ai déjà essayé ça plein de fois, vous aussi, vous m'avez dit que vous avez essayé ça. Et que ça ne vous le validait pas, justement, dans votre postérité. Sauf que si vous prenez un vortex 77 fois, ou que vous restez bugué sur le vortex, eh bien, on m'a dit que ça marchait. D'accord. Donc, on va rester ici, hop. On va sauter sur le matelas, enfin sur le matelas, sur le vortex plusieurs fois. Et du coup, on va voir si ça valide ou pas, les gars, d'accord? Donc je vous retrouve au moment où la postérité se valide et je vous montrerai tout ça. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, vous avez éliminé l'adversaire en étant sous l'effet d'un lance-grenade répulsive. Et postérité mise à jour, sauter 77 fois en faisant du ski nautique derrière un requin. Alors me demandez pas, les gars, comment ça se valide et pourquoi, mais c'est sûrement un bug de la part d'Epic Games. Et il faut venir, les gars, donc sur le gros vortex ici. D'accord? Vous pouvez faire des petits vortex de temps en temps, mais moi à la fin je l'ai validé en faisant genre 5 ou 6 fois sur le gros vortex. Ça saute automatiquement vu que vous êtes attiré par le vortex avec le requin, ça validera votre défi. Donc voilà les gars, j'espère en tout cas que ça vous a aidé à valider vos deux postérités qui sont buggées totalement. Donc ça vous a débloqué deux gratuites tout simplement les gars, donc ça vous aidera à faire un petit chemin de plus, un petit pas de plus si je puis dire vers les 50. En tout cas j'ai fait les autres postérités si vous voulez les voir sur ma chaîne, celles qui sont pas buggées etc. N'oubliez pas d'aller checker bien sûr. Et de vous abonner en activant la cloche et de lâcher un petit like. Merci à vous en tout cas. Si vous voulez me soutenir, code créatelmo-lopez. N'oubliez pas de rester zen. Ciao.